Un Direct. mot, mais sur la polémique, alors pour revenir au bijoutier, la polémique qui a secoué tous ceux qui se sont intéressés à la question le week-end dernier, savoir si les fameux likes, alors on en a beaucoup parlé, étaient des vrais likes ou des faux likes achetés au rabais. C'est ça, face à l'emballement du nombre de likes, certains ont mis en doute la réalité de ces likes. Et le dimanche soir encore sur France 2, c'est la thèse du trucage de ces likes que l'on peut entendre aux 20h. On écoute. Une popularité rarement égalée en si peu de temps sur le réseau social et qui augmente d'heure en heure. À tel point que certains experts d'Internet trouvent cette activité suspecte. C'est le cas de ce site chargé de faire des audits sur les réseaux sociaux. Une de leurs études note que près de la moitié des soutiens du bijoutier proviennent de l'étranger. Plus de 56% des soutiens arrivent de France, 42% des autres pays. Lorsque quelqu'un apporte son soutien sur une page Facebook, elle clique sur la languette « j'aime », c'est-à-dire « like » en anglais. Or, selon cet expert, il est possible de fausser le nombre de ses soutiens. Demandez un site qui propose de l'achat de likes et on va vous proposer, voyez ici, 1000 Facebook likes, non pas 29 dollars, mais juste 17 dollars. Et dans les jours qui vont suivre, vous allez avoir plein de gens qui vont liker votre page que vous ne connaissez pas, qui viennent de pays divers et variés et qui en fait sont soit des robots, soit des personnes qui ont été payées, elles, pour faire cette chose-là. Ou soit des personnes qui ont été payées, elles, pour faire cette chose-là. Alors, si on écoute parfaitement bien, et vous pouvez réécouter ce que disait cet expert cité par France 2, il ne parlait pas du cas particulier du bijoutier, il faut bien écouter, il décrit d'une manière générale la manière dont on peut acheter des likes sur Facebook, et pour et cause oui, d'ailleurs. Pour cause, puisque c'est le même spécialiste que l'on peut entendre le dimanche matin sur iTélé, c'est-à-dire avant ce sujet de France 2, voilà, qui expliquait le matin eh bien, que c'était de vrais likes. On écoute. Ce qui suscite beaucoup de doutes depuis hier, ce sont ces chiffres publiés par un site qui s'appelle Social Backer. On va le regarder. Regardez, c'est assez clair. 1,3 million de fans sur cette page. Eh bien, 20% viennent de France et 80% viennent de l'étranger. 80% de l'étranger. C'est étrange quand même, non? Alors oui, effectivement, c'est très étrange cette statistique. Mais déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Social Bakers, en fait, c'est un service qui analyse les données Facebook, mais qui n'appartient pas à Facebook. Et qui s'appuie uniquement sur les données qu'il a à disposition. La première chose qu'il faut voir, c'est que la page de soutien aux bijoutiers de Nice a eu une croissance exponentielle en quelques jours. Donc il y a une quantité de données à traiter qui est immense. Et nous savons, parce que dans les outils que nous développons chez Linkfluence, nous faisons le même type de choses, nous savons que, et j'ai vérifié ça avec mes développeurs hier, que sur des périodes aussi courtes, il se peut en fait que Social Bakers ait du mal à récupérer auprès de Facebook la qualification des données. Et donc lorsqu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de qualifier ces centaines de milliers de personnes, ils les mettent dans autre pays. Pas de manipulation en tout cas, on est loin d'être sûr. Les seuls qui ont la preuve, ce sont Facebook et les propriétaires de la page, mais effectivement, le comportement de la page, tout laisse à penser que c'est une... Bon, donc le soupçon était infondé, les likes étaient des vrais likes, et il n'y avait plus que France 2 le soir pour penser encore que c'était des faux likes. Ah, je ne pense pas qu'ils le pensaient, je pense qu'ils étaient dans de la manipulation, c'est affolant. Je peux comprendre que des blogueurs de gauche... C'est de la désinformation pure et dure. Je comprends très bien de désinformer la population. Je pense qu'il n'y a pas une volonté complotiste. Soyons très clairs. Dans quel but, selon vous, France 2 aurait fait de la désinformation? Nier une réalité qui n'est pas très jolie à voir et que personne n'a envie de voir, en tout cas parmi les gens qui sont comme moi, comme France 2, personne n'a envie de regarder ça en face. Personne n'a envie de regarder cette réalité de la société française qui est révélée par ces réseaux sociaux, parce que c'est très désagréable et parce qu'on a tous vécu dans un univers très édulcoré dans lequel on nous racontait une belle histoire sur la réalité de la société française qui s'avère être totalement bidon. Totalement bidon. On l'a vu avec le tag un bon juif, on l'a ensuite vu avec d'autres tags homophobes, puis des tags qui clairement laissaient penser que le racisme anti-blanc, bah, malheureusement, ça traverse, c'est une certaine réalité. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous laissent avoir une société française qui n'a aucun rapport avec le compte qu'on nous a donné jusqu'ici. France 2 est dans une là, très clairement dans une opération de manipulation qui avait été dénoncée très largement et par Guilhem sur iTélé quelques jours avant, où ils ont très clairement utilisé sa parole pour lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit.
Et attendez, la souris télé, c'est le matin même. Il était déjà intervenu sur les réseaux sociaux. Guilhem, qui est l'un des cofondateurs de l'Influence, qui travaille avec le Media Lab, auquel moi-même je suis aussi attaché, on avait très clairement dit, attention, vous vous basez sur des statistiques qui se basent elles-mêmes sur des données incomplètes parce que l'API de Facebook fonctionne de telle et telle façon qui fait que c'est pour ça que. Très rapidement ensuite, dans les heures qui ont suivi, il y a une agence de marketing qui, elle, avait un accès la même chose que Solbakker, mais qui a concentré tout son accès sur cette page-là, qui a sorti des statistiques montrant qu'il y avait 96% de fans français. Donc la vérité scientifique et claire et nette de qui étaient ces fans, on l'avait. Et quand France 2 a fait ce truc que je n'ose appeler un reportage, on l'avait. C'est clairement un mensonge. Pourquoi est-ce que France 2 a versé là-dedans? C'est flippant. Je comprends très bien. Un blogueur, je comprends. De la négligence et tout ce qui est réseaux sociaux n'est peut-être pas suffisamment. J'y crois plus du tout. J'ai longtemps cru ça. Qu'un journaliste doit se mettre à jour. Je n'y crois plus du tout. Je pense que on distribue les cartes de presse dans des cornets surprises et qu'on en donne à qui n'en veut ou qui n'est gentil. Et que là, très clairement, si un jour on devait réformer cette façon de distribuer les cartes de presse comme on distribue des permis de conduire, on devrait très clairement retirer la carte de presse à des gens comme ça, ou en tout cas leur faire un avertissement, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est votre parole. Et encore une fois, là, on ne sait pas, on n'a pas mené l'enquête sur ce point précis dans les couloirs de France 2, dans cette fatale journée du dimanche. Mais on va voir, je ne sais pas si France a démenti. Voilà. Non, ils n'ont pas fait de démenti d'ailleurs. Disons que nos enquêtes précédentes à nous, moi, me font plutôt supposer qu'il s'agit plutôt d'une nullité des journalistes en matière de réseaux sociaux, plutôt d'une volonté délibérée de manipulation. Opinion personnelle. Dans les deux cas, ce n'est pas très joyeux. Très bien, merci beaucoup à tous trois d'avoir participé à ce débat. Merci Olivier Hertscheid de nous avoir suivis depuis Nantes. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.